célébrons aujourd'hui l'importance de cet événement sur le plan national, sur le plan mondial et sur le plan humanitaire. Ne buvez pas! Le champagne est empoisonné. Mais je l'ai fait remplacer. C'est une cuvée de prestige. Vous et vos invités devez quitter l'Apex Center au plus vite. Slater est mort. Tarvos est compromis. C'est vous qu'ils veulent. Conduisez tout le monde à l'hélisurface. Oui, oui, tout de suite. Mes gardes du corps vont nous escorter. Mais, et les autres invités? Malheureusement, il y a déjà de nombreuses victimes. Mais je vais m'occuper des coupables. Alors je vous souhaite bien du courage. La fameuse loi pour le retour à l'humain. Si elle est acceptée, on a fait échouer tous leurs plans. Marchenko, l'orchidée, les bombes. Je te sens un peu à cran, là. T'as pensé à te détendre un peu? Respire. J'ai parlé avec Janus hier soir. Il m'a dit que Brown militait comme un chef. Lui et les délégués que t'as sauvés, ils savent que cette loi, c'est de la merde. Elisa peut bien faire campagne autant qu'elle veut. C'est déjà du passé. On dirait que Janus a toujours le bon tuyau. Sauf quand ça compte vraiment. Miller, hein. Je suis désolé, Adam. Je croyais vraiment que c'était un Illuminati. Moi aussi, je l'ai cru. Quand j'ai compris qu'il était innocent, on peut pas changer le passé. Faut aller de l'avant. À quoi tu penses? Combien d'autres plans ils ont encore élaborés? Combien d'autres soldats comme Marchenko sont en veille? C'était pas un soldat, c'était un malfrat. Les soldats ont un code d'honneur. Ouais, mais ils suivent les ordres. Il était prêt à s'exécuter, quelles que soient les conséquences. On dirait que t'es triste qu'il soit mort. Il a fait son choix, j'ai fait le mien. Quoi qu'il en soit, ce qu'on veut, c'est les types qui tirent les ficelles, à l'origine de la loi pour le retour à l'humain, et qui continuent à se terrer. Il est temps pour moi de les faire sortir de leur trou. Déjà, on a leur nom. Manderly et Page. Tu peux être sûr que le collectif fera tout ce qu'il faut pour les faire tomber. Ouais. Et moi, tu vois, il y a un troisième nom qui m'intéresse. Janus. Alors c'est ça qui te contrarie. Je vais tenter le coup, Adam. Mais je te l'ai dit, il aime pas quand c'est pas sous ses conditions. À lui de voir. Il organise un vrai face-à-face où je fais ce qu'il faut pour lui mettre la main dessus. Je crois qu'il est temps de rencontrer l'homme derrière le masque, Alex. Tu trouves pas ? À Prague, les forces de l'ordre ont traqué et capturé la terroriste dont les bombes explosives mortelles ont tué de nombreux voyageurs innocents en début de semaine. Cette femme, Alison Stanek, ancienne spécialiste en démolition de l'armée, serait une fanatique religieuse qui dirige la technosecte de l'église du Dieu mécanique. Après une enquête approfondie, la police l'a arrêtée ainsi que plusieurs de ses adeptes au quartier général de la secte. Si vous voulez mon avis, mesdames et messieurs, c'est une très bonne nouvelle. Un rapport d'autopsie publié à Prague aujourd'hui offre des détails choquants sur la mort du docteur Talos Rucker, l'ancien leader de la coalition pour les droits des augmentés. D'après ce rapport, le docteur serait mort avec un taux d'alcool anormalement élevé dans le sang.
Aucune autre toxine n'a été détectée par les analyses et le corps ne présentait aucun signe d'activité suspecte. Au dire de ses proches, Rucker avait sombré dans l'alcoolisme depuis qu'il était devenu une personnalité publique. J'imagine que je n'ai pas besoin de vous rappeler que l'organisation qu'il avait fondée, la Coalition pour les droits des augmentés, est liée à l'horrible attentat qui a secoué Londres la semaine dernière. Il n'y a pas si longtemps, le docteur Talos Rucker, invité de cette même émission, essayait de nous convaincre que sa Coalition pour les droits des augmentés était une organisation non violente. Aujourd'hui, bien sûr, nous savons tous à quoi nous en tenir. Il n'a guère fallu de temps à la CDA pour montrer son véritable visage après la mort du docteur Rucker. Depuis l'attentat de la semaine dernière, la CDA est officiellement reconnue comme une organisation terroriste par les Nations Unies. En ce moment même, de courageux agents de police tchèques lancent l'assaut sur ses installations à l'intérieur du complexe d'Outulek. On ne peut qu'imaginer les instruments de terreur qu'ils vont mettre au point. L'organisation criminelle des Dévalis se retrouve sur la sellette ce soir pour son rôle dans l'attentat de Londres. D'après des preuves découvertes par Interpol, des membres de haut rang du chapitre de Prague auraient fourni des armes et un appui logistique aux terroristes de la CDA. Parmi les individus recherchés se trouve Radic Nikoladze, leader des Dévalis à Prague. Cependant, des sources me signalent qu'il aurait disparu de la circulation et qu'il est peu probable qu'on le retrouve un jour. Peut-on y voir une confirmation de sa culpabilité ? Prenez part à la discussion en ligne pour nous donner votre avis.